nuit sur la façade ouest du pays. Ça va mieux. Exactement, Anne-Chloé, toujours le Morbihan en vigilance orange pour les orages. Il a beaucoup plu cette nuit, l'équivalent d'un mois de pluie en quelques heures, hein, localement sur la Bretagne. Alors soyez tout de même très prudents, même s'il n'y a plus qu'un département en vigilance orange, il y a quand même encore les deux tiers du pays en vigilance jaune pour les orages, car le temps est toujours très perturbé ce matin sur une bonne partie ouest du pays, avec donc beaucoup de pluie, des pluies plus soutenues vers le nord-ouest, donc toujours ce risque orageux, mais un soleil déjà très généreux à l'est ce matin. Cet après-midi, le temps sera instable toujours sur la moitié ouest. Tout de même le retour de jolies éclaircies, notamment sur la Bretagne et les Pays de la Loire, mais avec un risque d'averses parfois orageuses. Et puis ce soleil qui va bien se maintenir dans le nord-est, mais cette instabilité qui va gagner également les reliefs. Et sous ce soleil, eh bien, il y a également de très fortes chaleurs. Aujourd'hui, 26 degrés du côté de Nice pour le réveil. Ça fait deux mois qu'on enchaîne des nuits plus que tropicales dans le sud-est. Et cet après-midi, le mercure qui va donc grimper, 33 degrés à Nancy, 33 degrés à Reims, c'est 10 degrés au-dessus des normales de saison. Donc autant vous dire qu'une chaleur encore très forte à l'est, mais des valeurs plus tempérées à l'ouest sous les nuages aujourd'hui. De la France, ça s'est calmé ce matin, Coralie. Ça se calme progressivement, mais il reste tout de même un département en vigilance orange, et c'est le Morbihan, vigilance orange orage, et puis vous le constatez, les deux tiers du pays en vigilance jaune, toujours pour les orages. Donc ça se calme, mais ça reste très instable, et on va regarder tout ça sur notre carte. On a un temps perturbé ce matin, que l'on retrouve des Pyrénées jusqu'à la Bretagne et la Normandie, avec davantage de pluie dans le nord-ouest, toujours ce risque orageux, mais un grand soleil dès ce matin à l'est du pays. Cet après-midi, la moitié ouest sera toujours très instable, avec donc tout de même le retour de jolies éclaircies, notamment sur la Bretagne et les Pays de la Loire, mais ce risque d'averses parfois orageuses, de l'instabilité également sur les reliefs de l'est, mais alors le nord-est, lui, conserve un soleil absolument généreux pour toute la journée, mais de la chaleur également. Vous allez le découvrir, on y vient aux températures. 26 degrés pour le réveil à Nice. Ça fait deux mois qu'on a des nuits tropicales à Nice à plus de 20 degrés. 19 pour Strasbourg, c'est très élevé également pour la saison. Et cet après-midi, on attend jusqu'à 33 degrés. Vous allez le découvrir sur Reims, Nancy également, 33 degrés. Dans le nord-est, à cette période de l'année, c'est 10 degrés au-dessus des normales de saison.